بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث نميغو 211 وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه rapporté par سيدنا Abu Humayd al-Sa'idi, un sahabi qui, je ne connais trop beaucoup d'informations, c'est un Ansari, ça veut dire ici, dans Madina, c'est un Jimoun Madina, l'État Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait Hijra, et ici, parmi les ulama, parmi les sahaba, donc il finit apprendre avec Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et il finit enseigner les autres, surtout dans le côté fiqh, et il finit faire intikal dans l'année 60, ça veut dire vers la fin de Khilafat de Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. Donc Abu Humayd Abdul Rahman As-Sa'idi lidiya istamala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Azd yuqalu lahu ibn al-Lutbiyya ala as-sadaqa. Lidiya ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ti employe un jimon, ça veut dire ti donne lien de travail, un poste. Ça, c'est un poste pour l'État islamique. Ça veut dire un officier. Ce travail, c'est collecter zakat. Alors, ça dit, là, l'été dans Banu Azd, un tribu qui appelle Azd. Et ça dit, là, tu appelles Ibn al-Lutbiyya. Ça veut dire, ça, c'est ce kunya. Yuqalu lahu, tu peux surnommer Ibn al-Lutbiyya. Alors, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin emploi, il fin donné ce travail-là, qu'il y a le collecter zakat pour tout. Donc, là, nous trouvons qui, Tiena Manjimoun qui typial prélève zakat depuis dans Dibia Manjimoun, ça veut dire l'expédia qui Manjimoun a donné zakat. Là, Rasoul Zahassalam, tu peux, avec l'aide de Ban Sahaba, tu peux distribuer ce zakat là à Manjimoun qui méritait. Falamma Qadima Qala, le temps d'Imoun là fin vini, il fin dire, ça veut dire il fin vini devant Rasoulullah Sallallahu Alaihi Wasallam avec l'argent qu'il a collecté depuis zakat. Hada lakum wa hada Uhdiya ilayya. Il donne une partie l'argent, il dit voilà, ça pour vous, ça veut dire ça, ça pour vous, ça zakat qui m'a fait collecter. Wa hadha uhdiya ilayya. Et ça, il garde un tigin, il dit ça, fin faire moi cadeau ça. Ça, ben, dis-moi, fin donne moi cadeau, ça l'argent. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin jibout le mimbar. فحمد الله واثنى عليه et comment les films montrent nous les fait Allah sou hamd les fait Allah sou thana comme on t'explique récemment hamd avec thana alors c'est pour ça que tout le temps Rasoul sallam il fait tout le temps nous fait ali quand on commence une petite chose nous dit bismillah nous dit Allah sou hamd au moins tout au moins nous dit alhamdoulillah après nous faire darud le rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ça trois petites choses là important. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit indiqué dans les autres hadiths qui n'importe qui travaille, qui est dans Zoubalin, ça veut dire qu'il a l'importance et qui ne pas commence avec sa bonne affaire là, alors ce travail là, il est abtar. Comment dire ce travail là, il n'est pas amené un résultat, ce travail là, il est peine à barakat là-dedans. Alors, bismillah, alhamdulillah, avec assalatu wassalamu ala rasulullah. Si nous pas qu'à faire les longs, nous disons au moins bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Alors, il finit faire Allah sou hamd, il finit faire Allah sou éloge, il finit faire thana, après il finit dire, thumma qala, il finit dire, amma ba'du. En ce qui concerne ce qui vient après, fa inni asta'milu ar-rajula minkum ala al-amali mimma wallani Allah. Mon père emploie un jimoun parmi eux, un missier parmi eux, pour un travail qui Allah subhanahu wa ta'ala finit donne moi responsabilité ça. Ça veut dire zakat, collecter zakat. فياتي فيقول جمن لا فيني لجيا هذا لكم سابو سابوزوت وهذا هديه اهديت لي اي سا ça veut dire l'autre partie l'argent c'est un cadeau qui ban jimon donne moi افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا alors رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجيا ça jimon la est-ce qui s'il est assis sur la case, est-ce qu'il n'est pas capable d'assis dans la case, son papa, ou soit dans la case, son maman,
jusqu'à ce que cadeau là vienne vers lui, jusqu'à ce que Dimon vienne donner le cadeau là. Ça veut dire, ça Dimon là, s'il s'assise sur la case, dans la case sur maman, dans la case sur papa, il est parti pour faire son travail, collecter Zakat là. Est-ce que c'est à ce moment-là, Dimon là, tu viens donner le cadeau? Non. Qui fait un cadeau? À cause de collecter Zakat. Donc, il fait un cadeau à cause de sa position qu'il y a. Ça, c'est une affaire importante. Alors, c'est une affaire qui courant aujourd'hui. Et une fois, dans nos positions qui nous prend cadeau, ou soit dans la position qui nous donne un cadeau. Ça, c'est un cadeau hypocrite, ça. Et ça, Dimon là, quand il prend ça, il n'est pas bon, il prend ça. Nous pas prendre cadeau à cause position qui nous est là. Nous position qui nous est là, nous fonction qui nous est là, nous là pour faire un travail. Nous là pour des choses, une responsabilité. Il est possible que ce travail là, il implique prendre quelque chose avec du monde ou soit inflige quelque chose là au du monde. Par exemple, un policier. Par exemple, un inspecteur. Il vient inspecter mes affaires. Il peut dire là, il peut écrire là. Si pas il est bon ou soit il est pas bon. Alors, le sa di moun la, ou soit pour une amende, ou soit pour une sanction, ou soit un di moun la, a quelque chose pour gagner, comme ça, il y a combien de officiers encore? Peut-être certains parmi nous, là-dedans, nous déjà man officiers nous-mêmes. Et nous connaissons définitivement tout le monde parmi nous, nous deal avec man officiers presque tous les jours. Sa di moun la, a une position. Alors, quand nous peut prendre cadeau, nous peut donner sa di moun la. Ou soit quand di moun la, un kiken, quand nous officiers, il peut donner nous un cadeau. Nous posons nous question ce cadeau là. Si mon patient officiel est si vous donnez moi ça, non, il est pas si vous donnez. Donc ce cadeau là pas bon. Il y a richouette là-dedans. Il y a bribe là-dedans. Ça veut dire peut donner un cadeau supposément pour gagner une faveur en retour. Ça même qui ça dit mon l'en faire. Il fin accepter un cadeau, pas dit mon l'en donne le cadeau parce qu'il y a un collecteur zakat. Là, à cause de ça, Rasoul Salam, il fait sa comparaison là, il dit, ben, s'il supersise la case sur maman, la case sur papa. Est-ce qu'il dit, mon, tu veux venir donner ce cadeau là? Non, il est parti pour gagner ce cadeau. À ce là, là-dedans, il ouvre la porte à, ben, quelque chose qui est injuste, il ouvre la porte à, du monde coquin. Par exemple, un, du monde, il y en a pour payer 10 000 roupies. Ça, 10 000 roupies, là, parle dans la caisse de l'État. Officier là, il se travaille, c'est ramasse 10 000 roupies, mettre dans la caisse. Il y en a un pour lui là-dedans. Parce qu'il est bien sur la paye. Alors, il fait un deal avec ça, dit mon là. Il dit que ça ne va pas pour donner un récit. Il y a l'État pas pour connaître. Personne pas pour connaître. Pas donne 10 000 roupies, donne 5 000 roupies. 2 500 pour moi, 2 500 pour vous. L'État pas ne gagne rien. Et juste l'État qui est supposé gagner. Apporte l'État, personne pas supposé gagner là-dedans, à 10 000 roupies là. Mais seulement ça, tricase qui ça a dit mon là, fin faire. Ça veut dire, c'est qu'il donne là. Il y a la moitié qu'il n'est pas donné là-dedans. Et ça dit mon là dans place, ça collecteur là dans place, il pas supposé gagner rien, il finit gagner 2 500. Comme ça beaucoup du monde fait, même jusqu'à contrôler bis fait ça. Même jusqu'à contrôler bis fait ça pour gagner un des roupies en plus. Alors tout ça là, c'est haram. Alors ça manque quelque chose là, il ouvre la porte à ban injustice, à ban vol. À cause ça dans l'état islamique, c'est beaucoup ban conditions. Par exemple, un des ban l'exemple, al qadi, le juge, jamais d'accepter cadeau avec personne. Pas même à titre personnel. Jamais il accepte un cadeau. Qui fait? Parce qu'il lit sa position, il n'est pas pareil comme n'importe qui dit le monde. Il est là pour zizir tout le monde. Là, d'après Sharia. Si intention, un dit le monde donne un cadeau à cause de l'intention. Même si dit le monde là sur l'intention, pire, mais tension, ben les autres dit le monde pour dire que ça, il accepte un cadeau, ça zizir là. À cause de ça qu'il finit de donner ce zizirement comme ça. Alors, zizir, jamais il ne prend un cadeau depuis personne. Ça, c'est ben, quelque chose qui pour nous évite ce qu'on appelle conflit d'intérêt. Pour nous éviter conflit d'intérêt. Une fois, pas finena mal donne, mais seulement dans perception du monde, il vient d'une façon qui, man du monde commence à penser mauvais. Donc, sa perception là aussi, il faut pas nous nourrir. Pas donne du monde l'occasion de penser, mais get ça, nous capables, facilement corruptibles, ou soit li, ou soit n'importe qui s'en là capable de corrompre nous, montrer ça l'idée, quand on est un officier, montrer ça l'image qui nous droite nous. Même si du monde pas content, nous pas fait rien. Mais nous travaillons bien fait à droite. Vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis Dimon aussi. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à sa Dimon là, si tu restes dans la case sur maman, sur son papa, est-ce qu'il tu peux gagner un cadeau? Non. Donc, ça c'est un critère, un lazose, comment dire, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne nous là. À chaque fois, nous pose nous sa question là. Autrement, qui tu peux arriver? Est-ce qu'il tu peux gagner ça? Est-ce qu'il sa Dimon là donne moi cadeau à cause du compte en moi, à cause des familles en moi, à cause des camarades en moi, à cause de l'insentilité reconnaissant envers moi, ou soit, à cause, moi, j'ai une position.
Alors, nous vous imposons question, savant quelque chose là. Alors, hadith continue, Wallahi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi mufassima l'onu Allah, La ya'khudhu ahadum minkum shay'an bighayri haqqihi illa laqiya Allah yahmiluhu yawm al-qiyama. Certainement, n'importe qui s'en là, parmi les autres, qui prend un quelque chose qu'il n'y a pas mérité, bighayri haqqihi, il n'y a pas dans ce droit ça, mais seulement il prend ça quelque chose là, alors définitivement il peut joindre Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il peut sauver sa faute là. Il y a beaucoup de riwayats, il y a certains des autres riwayats mentionnés, il peut sauver ça le soleil d'eau. À ce moment-là, il explique dans différentes façons comment il peut sauver ça. Ce qui nous comprend, c'est que n'importe qui, quelque chose qu'un démon il prend, qui passe au haq, ça veut dire qu'il n'est pas supposé de prendre lui. Alors, il peut trouver, il peut sauver lui, il peut besoin de rendre compte pour ça devant Allah. Alors, à cause de ça, nous aussi, nous posons une question. Comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait avant sahaba réfléchit. Vous trouvez là, il n'est pas juste à dire à ce démon-là, lui. Il connaît, c'est un mal qui pourrait répandre ça. Alors, il monte l'homme imbar, il cause avec tout le monde. Tout le monde guette. Alors, prends ça comme un critère, ou guette, ou pose sa question-là. S'il dit autrement, est-ce qu'il motive pour gagner ça? Alors, même pour un type de petites affaires, nous posons une question. Ça, un affaire important, musulman, tout le temps, nous faisons ça. Nous posons une question, nous mettons dans une situation, côté là, nous guette, est-ce qu'il est halal ou soit, est-ce qu'il est pas halal? Alors, Fala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue, Fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran. له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعتر. Parce que Rasoul صلى الله عليه وسلم dit, mokon, certainement mokon parmi eux, un qui les poils joignent Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se voir un chameau. Qui ce chameau-là, il y a un rugha. Rugha, c'est, en arabe, c'est ça, son qui un chameau fait là. Et en français, nous vous disons un chameau qui peut blatérer, ça son qui ce chameau-là fait. Ou soit, il peut s'envoyer un bakara, un vache, laha, khouar. Khouar, c'est sa son qui, sa vache la fait. Ça veut dire, moi, pas qu'on est en français, nous, on appelle l'immeuglé, un vache qui peut meugler. Il peut s'envoyer un vache qui peut faire sa son là, ou, chatan, tayyaru. Ou soit, il peut s'envoyer un animaux, un petit animaux. Ça veut dire, un mouton qui peut meugler aussi, donc, qui peut faire sa son qui mouton fait là. Qui fait, il mentionne ça, ban l'exemple là ban ulama expliqué pour montrer qui quantité abaissant il était ça hein il peut servir un animaux le soleil d'eau certains ban riwayat certains ban ulama mentionné le soleil d'eau ça yaumul qiyama et ces animaux là peut faire ça son là donc qui qualité il paraît ridicule comment dire il abaissant alors ça dit mon là possible il n'accepter un animaux comme bribe il n'accepter un animaux comme cadeau si pas il a 200 moutons. Alors, dans sa descente en mouton là, Zakat, il y a 5 moutons donnés. Alors, il y a un mouton là-dedans, il peut aller sur la case avec sa mouton là, à cause de collecter Zakat, par exemple. Alors, il peut venir avec sa mouton là, Yomul Kriyama, sa mouton là, pour faire ce son, pour faire l'isis, comment dire, pour humilier sa dimon là. Quand il prend sa quelque chose là, Birey Rihak. Léla, sa sahabila continue, Thumma Rafa Ayadeihi. Léla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin lève sur la main. Hatta ru'iya bayadu ibtayhi. Jusqu'à qu'il y ait une lèvre sur la main, tellement haute, jusqu'à tu peux trouver en bas sur les bras, sa blancheur qui est là en bas sur les bras là. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en bas sur les bras, tu es blanc. Donc, quand il y a une lèvre sur la main, à travers ce linge, tu peux trouver sa blancheur qui est là en bas sur les bras. Mubarak la faqal. Et il finit dire, Allahumma hal ballagtu. Oh Allah, est-ce qu'il m'a fait transmettre le message? Oh Allah, est-ce qu'il m'a fait transmettre le message? Donc, lui, ce tracas en tant que prophète, c'est lui besoin faire ce travail, lui besoin transmettre ce message. Regarde comment il fait là. Un dimon, il fait ça, lui vient monter l'homme imbar, lui vient dire à tout dimon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire lui, d'une façon ou soit d'une autre, nous ne connaissons pas qu'il a besoin faire ce travail là en public. Les tika va le dimon là tranquille, les dieli. Mais non, les finjia qui m'ont fait engager un dimon pour faire ce travail là. Et les finjia li en public pour qui ça nouvelle la fan partout. Et elle est là. Ça sahabi là, li, Abu Humaid, dit il là-dedans, l'intan, l'indienne. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin fait ce travail. Alors, ce qui nous apprend là-dedans, c'est ben, quelque chose qui nous prend, une fois, il paraît innocent, il paraît inoffensif. Mais seulement quand nous recalquons le bien, il n'est pas bon.
quand nous recalquons les bien, les pas bon, comme ça, il y a beaucoup de petites choses. Donc, à travers l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons les affaires et là, nous venons de meilleur musulman, nous venons droite et enfin, nous devons trouver peut-être l'habitude, nous devons arrêter. Et si nous ne connaissons, si nous ne passons pas ces affaires là, surtout ces affaires là, aux gens, nous allons demander à des gens qui connaissent. Un autre point important encore, c'est lui qui donnait là aussi les fautifs. Parce que c'est des gens qui ne prend ce cadeau là, c'est lui qui donnait. Ça veut dire c'est lui qui prend bribe. Il prend haram et c'est lui qui donne bribe, il donne haram tous les deux fautifs. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Reste loin depuis haram. Pas participe dans haram, pas donne haram, pas prend haram. Et qu'il purifie nous l'argent, il purifie nous en action et lui faire nous reste bandimon droite. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.